Du haut de leurs échasses, deux membres de la compagnie Macadam Théâtre tendent le ruban tricolore pour le coup de ciseau du maire de Sarreguemines. Le festival de la Sarpaille est ouvert. Le Festival des Arts de Rue de la Saint-Paul a officiellement été lancé vendredi soir sur la place du marché de Sarreguemines. Les élus et le public étaient venus nombreux pour assister à l'inauguration. Partie de l'hôtel de ville, la musique municipale et les échassiers de la compagnie Macadam Théâtre ont déambulé jusqu'au lieu de l'inauguration. Cette année, le festival fête ses 30 ans. Il était important de respecter les traditions. Écoutez, plus que jamais, c'est une fête à la fois populaire et une fête culturelle, une fête qui s'inscrit dans la tradition de notre patrimoine faïencier, mais toujours revisitée avec la complicité de notre tissu associatif, de nos artistes et d'un grand nombre de personnes qui s'investissent pour que ce moment-là soit réellement festif. Pour le maire, l'actualité ne doit pas venir éclipser ce moment de festivité. Dans mon petit discours tout à l'heure, j'ai fait une allusion à l'actualité. Il ne faut pas que l'actualité nous gâche la fête. Nous avons plus besoin que jamais de nous changer les idées après les années Covid, après la question de la guerre en Ukraine, de la question éco-responsable, du prix des énergies. Le contexte d'aujourd'hui, eh bien, vous le savez, n'arrange pas la question. Je dis qu'il est important aussi pour tout un chacun d'entre nous d'avoir des moments pour rire, pour sourire et pour partager.